Non, putain, il y a une pub YouTube. Putain, non. 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 Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je vais te parler de mon trophée YouTube 100 000 abonnés qui est juste ici. Ce trophée YouTube 100 000 abonnés Christo du 69 était actuellement sur Le Bon Coin. L'histoire est très très simple. Il y a un abonné hier qui me dit: Christo, ton trophée YouTube il est en vente sur Le Bon Coin pour 10€. Et là je me dis: mais quoi? Mon trophée est en vente? Ah bon? Je le savais pas. Alors qu'il soit en vente, ok, pourquoi pas, mais pour 10€, enfin mec, pourquoi t'as fait ça? Le titre de l'annonce: trophée YouTube 100K d'abonnés. Enfin, le mec il s'est pas cassé trop la tête. Et en plus de ça, il a vraiment mis des photos de mon trophée qu'il a volé en fait sur ma page Facebook personnelle. Parce que oui, quand j'ai eu mon trophée, j'étais très content, donc forcément j'ai posté des photos de mon trophée. Bien évidemment, il a utilisé mon prénom et mon nom, Christopher Morfin. Sauf qu'il y a un truc qui me saoule déjà, c'est le prix, 10€. Pourquoi je vaux pas si cher que ça? Pourquoi tu me respectes pas? 10€, mais c'est... Putain, mec, si c'était un autre youtubeur connu et tout, ça serait 1000€, moi c'est... Description de la vidéo: bonjour, je m'appelle Christopher Morfin, je suis youtubeur, je vends mon trophée YouTube pour 10€. Il y a un truc qui m'énerve dans cette description, tu sais ce que c'est? C'est Christopher Morfin, C majuscule, M majuscule, ça peut paraître bête, mais je te jure que pour moi c'est super important. Pourquoi tu me respectes pas aussi dans mon prénom et dans mon nom? Au moins tu mets l'annonce, mais s'il te plaît, mets un C majuscule et mets un M majuscule, pour moi c'est bizarre comme ça. Forcément, quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit en fait, il y en a qui vont se faire couillonner un petit peu, parce qu'il y en a qui vont peut-être envoyer un mail. Et lui il va dire: bah voilà, je t'envoie le trophée, envoie-moi les 10€ sur PayPal. Mais en fait, je pense que tu as compris, c'est une escroquerie. C'est pas vrai, je vends pas mon trophée. Voilà, je suis désolé, je le vends pas. En tout cas pas à 10€, ça c'est sûr, mon trophée il est à moi. Et pas à 10€, ça vaut pas 10€, mais quand même. Le plus drôle dans tout ça, et je vais lire avec vous, en fait c'est parce que j'ai contacté Le Bon Coin pour leur demander de supprimer l'annonce. Et vous allez voir. Je leur envoie un email pour leur dire: bah écoutez, voilà, en fait, c'est une fausse annonce. Et que, bah voilà, est-ce que vous pouvez la supprimer, tout simplement? Et ils me répondent très rapidement: bonjour, nous ne sommes pas en mesure d'apprécier si votre texte est original et constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'email que j'ai envoyé à Le Bon Coin, il y avait ma signature avec mon nom, mon prénom, enfin bref, ma signature personnelle, oui, plutôt professionnelle. Et en plus de ça, je leur ai montré que sur mes chaînes YouTube, dans la description de mes deux chaînes YouTube, eh bien, il y avait excuse-moi, je suis toujours énervé, il y a une adresse mail pro qui est dans ma description de mes deux chaînes YouTube, et cette adresse mail, eh bien, elle correspondait à l'adresse mail que j'envoyais à Le Bon Coin. Et je leur disais: voilà, en plus de ça, ce qui est bizarre, c'est que vendre un trophée 100 000 abonnés à 10€, c'est pas très logique. Et là, Le Bon Coin m'a dit: oui, mais alors voilà, à ce moment-là, envoyez-nous une carte d'identité, blablabla, etc., etc. Plein de papiers, je devais leur envoyer. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait: non, mais attendez, j'ai pas le temps. Et puis, ça paraît totalement logique. C'est comme si tu vendais une Merco, une Mercedes à 50€. Tu vois, parce que le trophée, il vaut beaucoup. Même si c'est pas vraiment de l'argent. Je sais, c'est du plastique. Mais ça... Je leur dis, je leur reprécise, mais comment ça se fait? Et regardez bien, c'est bien mon adresse mail et c'est pas possible que quelqu'un puisse le vendre à 10€ un trophée comme ça, c'est pas logique. Il y a un train qui passe là, je peux pas parler parce qu'il y a un train qui passe, attends, regarde. Putain, il y a deux trains, mec, il y a deux trains. Il y a deux trains là. Le seul moyen pour que Le Bon Coin supprime, eh bien, cet article, c'était le fait de leur dire: bah voilà, écoutez, je suis pas content de votre accueil, parce que franchement, ils m'ont parlé avec des copier-coller, j'aime pas forcément ça, j'aime bien avoir un service au téléphone ou quand on me parle par mail, pas forcément d'avoir toujours des copier-coller. Donc je leur ai dit: bah écoutez, moi sinon je fais une vidéo et vous allez voir que c'est vraiment moi, quoi, c'est pas du fake. Et 20 minutes, 10 minutes après, je reçois un email du Bon Coin en me disant comme quoi ils allaient supprimer l'annonce, donc là actuellement l'annonce est supprimé. Tout ça pour te dire en fait que c'était pas moi qui ai mis l'annonce et que je ne vendrai pas mon trophée, à part si c'est peut-être 1 million d'euros, peut-être que là ça ferait plaisir d'avoir 1 million, mais c'est vraiment un cadeau de YouTube et moi ça me fait extrêmement plaisir d'avoir un cadeau comme ça et je comprendrais pas pourquoi je le vendrais. Donc faites très attention aux fausses annonces. Passage, à propos de mon trophée, je vais en recevoir un deuxième, vous savez, parce que j'ai une deuxième chaîne et je t'incite à t'abonner à cette chaîne YouTube parce qu'il manque 10 000 abonnés pour avoir un deuxième trophée YouTube. Et j'aurai l'ancienne version
version, donc, parce que celle-là c'est l'ancienne version 100 000 abonnés, et j'aurai aussi la nouvelle version 100 000 abonnés. Ils ont un petit peu changé l'esthétique du trophée, et je pense que ça peut être super intéressant de vous présenter vraiment l'ancien trophée et le nouveau trophée. Boum! J'espère que cette vidéo t'aura plu. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Il y a encore un train, c'est pas possible. Et puis tout simplement, je te dis à la prochaine. Continue à regarder mes vidéos parce que tu sais quoi? Quoi, tu sais que tu vas kiffer.